bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's Your Boy Angel. Nous sommes dans la série Augmenter sa valeur. Alors, vous savez que j'ai écrit un livre et je vous donne les 5 chapitres coup de cœur, les 5 chapitres où il y a eu le plus de demandes, le plus de témoignages, justement, de personnes, de retours, etc. Alors, le deuxième chapitre coup de cœur, c'est la règle du 10-90. Le 10-90. Alors, c'est une règle, en fait, que les gens ont lue, certains n'ont pas compris, etc. La règle du 10-90 stipule que la vie, c'est seulement 10% de ce qui t'arrive et 90% comment tu réagis face à ce qui t'arrive. Je vais le répéter. La règle du 10-90 stipule que la vie, c'est seulement 10% de ce qui t'arrive, mais 90% comment tu réagis face à ce qui t'arrive. Nous sommes encore dans la série Augmenter sa valeur. Ça veut dire quoi exactement? C'est que vous voyez, nous sommes dans une génération qui accuse tout le monde. C'est toujours la faute des autres. C'est à cause de mes parents, c'est à cause de, parce que mon voisin ne m'aime pas, que je ne réussis pas. C'est parce que la société est trop difficile que je ne réussis pas. Parce qu'on n'a pas le bon président que je ne réussis pas. C'est parce que mon voisin m'a mal regardé, parce que mon chien est tombé malade que je ne réussis pas, bla 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 bla. Alors vous voyez, et la faute c'est toujours tout le monde sauf nous-mêmes. Et moi je dis dans ce chapitre que la vie c'est 10% ce qui t'arrive, mais 90% comment tu vas réagir face à ce qui t'arrive. Vous devez comprendre qu'un jour j'étais dans une de mes conférences au Canada et après ma conférence il y a une jeune d'une vingtaine d'années qui est venue me voir. Et après la conférence il était un peu déçu, il me dit écoute, oui j'aimerais bien y arriver, mais je pense que c'est à cause de mes parents, c'est parce que mes parents m'ont abandonné quand j'étais jeune que je n'ai pas réussi. Alors quand il m'a dit cela, il a vu ma réaction, il a vu qu'elle n'était pas très favorable. Parce que je lui ai dit que oui, c'est vrai que tes parents t'ont abandonné quand tu étais jeune, mais tu as fait le choix de rester à ce niveau-là. Comprenez bien, donc tout ce que tu vis, toutes tes circonstances que tu vis actuellement, tu dois comprendre que tu as le choix, tu as le pouvoir décisionnel. C'est toi qui choisis si tu restes là ou pas. Et c'est pour ça que je vis avec toujours la situation que tu es peut-être né en ressemblant à tes parents, mais tu vas mourir en ressemblant à tes décisions. Alors ce qui est important, c'est quoi? C'est que ne regarde pas les situations qui t'entourent. Regarde plus comment tu réagis face à ce qui t'arrive. C'est quoi tes réactions? Alors tu ne peux pas contrôler ce qui vient de l'extérieur, mais tu peux contrôler certainement ce qui sort de l'intérieur. C'est l'une des raisons pourquoi tu dois connaître ta valeur. C'est l'une des raisons pourquoi tu dois augmenter ta valeur. Parce que peu importe ce qui arrive, tu dois comprendre, utilise ces problèmes, utilise ces choses comme étant des boosts, des motivateurs pour pouvoir avancer. Parce que c'est la tension qui crée la grandeur, c'est le challenge crée l'excellence. À chaque fois que tu es challengé, à chaque fois que tu as un problème, à chaque fois que tu tombes, tu es face à un mur, à la place de commencer à te plaindre, de regarder, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire, pose-toi la question, comment je peux utiliser ce problème pour aller au prochain niveau. La vie c'est 10-90. Oui, 10-90. Alors arrête de regarder tout ce qui ne va pas. Regarde, tous les problèmes sont des opportunités. Je vous l'ai déjà dit, tout problème, c'est une opportunité pour toi de te surpasser. Alors je sais que c'est dur, je sais que c'est compliqué, je sais que tout le monde t'a laissé tomber, je sais que personne ne t'aime, personne ne veut que tu réussisses dans la vie, mais crois-moi, c'est une opportunité pour toi de te surpasser. Alors la vie, c'est 10-90. Seulement 10% ce qui t'arrive et 90% comment tu réagis face à ce qui t'arrive. Alors ce que je te recommande, c'est que quand tu te retrouves face à une difficulté, quand tu te retrouves face à un problème sérieux, face à une complication, ce n'est pas le moment de regarder à qui la faute, c'est le moment de chercher les solutions, c'est le moment d'augmenter ta valeur et tu vas voir que ce sera, waouh, quand tu vas le faire, tu vas voir que ce sera la meilleure chose que tu n'aies pu faire. Alors c'est tout pour aujourd'hui, n'oublie pas la règle du 10-90. Alors si tu veux avoir celui, tu peux aller le commander sur augmentetavaleur.com ou aller dans une librairie proche de chez toi. Nous sommes plusieurs milliers à pouvoir le lire, bien entendu. Alors c'était tout pour aujourd'hui, c'est ton motivateur personnel, Angel King. On se voit dans une prochaine vidéo.